La réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas négociable. À l'unanimité, les cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPAC l'ont martelé samedi dernier lors d'un meeting de la jeunesse dans la commune de Port-Boué. Une question existentielle selon le parti de l'ancien président ivoirien. Notre présence ici, bien sûr, n'est pas fortuite, puisque nous sommes là pour dire que sans le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour les élections 2025, il n'y aura pas d'élection, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Invité spécial de la jeunesse du PPSI, Dr Justin Koné-Katinan appelle le pouvoir à cesser les procès politiques et autres intimidations judiciaires contre les opposants. Mais nous, là, vous allez nous détruire encore après le tournoi. Bon, on n'a pas parler. Vous allez nous détruire encore après quoi? Le président Laurent Gbagbo a tout acquis par la lutte pacifique, déterminée. Investi par son parti, Laurent Gbagbo demeure radié de la liste électorale dans le cadre de l'affaire dite du braquage de la BCAO. Privé de ses droits civiques et politiques, il ne peut, en l'état des choses, faire acte de candidature à la prochaine présidentielle prévue pour octobre 2025.